Et voilà notre champion canadien. Il terminera parmi le top 5 aujourd'hui. Aroussène Laflamme du Mont-Saint-Anne. Merci, merci. Est-ce quelque chose de poursuivre devant les... Ah oui, c'est incroyable. C'était vraiment incroyable, la portion de bois ici, là, quand toute la foule était là et criait. Là. Les frissons me montaient. Ça me sortait un peu de ma zone, là, mais c'était l'énergie positive, c'est vraiment pas cool. Ah, ça a été une dure bataille, vraiment. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu une course ici en levant avec autant d'action, avec des coups un peu bas des fois. Attaque contre attaque. Oui, ta stratégie qui me bloquait des endroits, ça allait être plus rapide. Je me poussais un peu à l'extérieur physiquement. C'était la guerre, c'était correct. Tout ça dans une espèce d'harmonie un peu respectueuse. Je suis content, j'aurais aimé ça réussir à sur le podium. Mais à un moment donné, j'étais troisième pendant la course, puis j'aurais aimé ça rester là. J'ai fait mon attaque, mais ils ont réussi à me concentrer là-dessus, puis après ça, j'avais moins de ressources pour revenir, mais ouais, c'est quand même un bon résultat, premier Canadien, j'étais content. Mais... J'ai fait honneur à mon maillot. Honnêtement, il y a deux en fait de travail, là, mais je suis super content. Alors, vraiment content. Ça allait vite en avant. À un moment donné, j'ai pensé, là, comme j'ai vu le troisième, j'ai senti que j'en avais un peu. Fait que là, j'ai comme juste voulu, mais il en manquait. Avec ma santé, là, je suis content d'avoir réussi à challenger mon mental pour être capable de... L'Espagne, avec la côte cassée, là, de ne pas penser à ça, puis juste de rouler. Fait que je suis content. C'est un cinquième moment. Cinquième moment. Parfait. Ça wrap up. Ça va, content. Et Marco Daigle, votre champion canadien 35-39, qui va compléter lui aussi parmi le top 5. Alors, les deux champions canadiens, cinquième de ces championnats du monde de cross-country ici au Mont-Saint-Anne.